Et bien salut tout le monde, je suis pas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme vous l'aurez vu dans l'écran. Ça sera sur Miss Crytek et ça sera la suite de la découverte du DLC Canyonland. On avait commencé sur le serveur FR2, si je me rappelle bien. Et là on va continuer et on va voir si on peut découvrir un peu plus la map. Enfin bref, je vais essayer de retrouver le. Voilà, le voilà. Il y a 5 personnes actuellement. Ping de 61, ok. On rejoint le serveur. Et puis je vous reprends quand le chargement est terminé. A tout de suite. Et bien nous revoilà en jeu. On va se mettre à la troisième personne. Du coup, je pense que ça a dû respawn, etc. Alors on avait quoi sur nous déjà? On a une machette, une lampe torche, une hache. On a des boissons. Ça, je sais pas c'est quoi. Des chargeurs, etc. Ok. Du coup, on va sortir. On a trouvé un pneu. Ok. Il n'y a rien dans la voiture. Ouh là, il y a un zombie. Non, c'est bon, on n'a pas gros. On l'a pas gros. On a été resté ici à cette ville. Ah, on l'a gros. On va essayer de s'enfuir. On va voir si nous désagro ou pas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous trouvez le nouveau DLC. Ah ici on n'avait pas fouillé ici. On a aggro un autre. On va essayer de partir par là-bas. Vraiment, si j'appuie sur Alt, ouais, je peux voir s'il me suit ou pas. Il me suit toujours. Normalement, il va nous désaggro bientôt. Ok, c'est bon. On n'avait pas visité cette partie de la map. Dommage que qu'on n'ait pas de carte sur nous, on aurait pu voir où est-ce qu'on était, etc. Mais je pense pas que le jeu il fasse cette option-là. Enfin bref. J'espère que la qualité sera nickel, que le son vous m'entendez bien, etc. On va essayer de fouiller dans les voitures s'il n'y a pas des armes, etc. Ouh là là, c'est quoi ce bruit? Je pense qu'il faut se mettre à l'abri. Ok, je me suis mis à l'abri. On a trouvé quoi? Ok, il y a de la bouffe. Je pense que cette alarme, c'est par rapport aux choses radioactives qui peut se passer. Des fois, il y a des tempêtes de radiation. Du coup, pour rester à l'abri et attendre que ça passe. J'aurais dû baisser un peu le son du jeu, comme ça, vous entendez pas fort. Et bon. Enfin bref. Tomate rotten, ok, on peut pas le prendre, c'est pourri. Ok, bon, bah, on n'a rien trouvé d'exceptionnel à part les pêches là, je sais pas ce qu'il y avait écrit, ça. Ok.
Regardez, par exemple, j'ai 3% de radiation. Et ma vie commence à descendre. Vous voyez en bas à droite, 3% de radiation. Je sais pas si j'ai des anti-rad. Non, du sel. Ça, on va le jeter. Ce qu'on n'a pas besoin, on va le jeter. Ça, je sais pas c'est quoi. Antibiotiques. C'est pour le poison. Oh là là. Ok, on est en pleine tempête là. J'espère que ça va aller. Que je serai pas trop irradié. Ça fait 3 minutes, ça fait ouais, ça fait un peu plus de 2-3 minutes que ça s'est lancé. Ok, ça s'est arrêté. Nickel. Ok. On va attendre encore un peu. Mais normalement, c'est bon, on peut sortir. Par contre, on voit rien. Y a pas des armes là. Propane, ok. Au moins, vous découvrez avec moi les événements de. Oula, le petit freeze. Les événements de. Du jeu, que ce soit les tempêtes de radiation ou les tempêtes de sable. Oula, il y a un orage. Okay, on va pas trop traîner. Il y a rien d'autre, ok. Dans les voitures de police, il y a souvent des. Là, il y a un sac. Il y a souvent des armes. Ça, c'est un taxi, ça, pardon. Là, on a trouvé une barre de fer. Ok. Dans le camion, il n'y a rien. Non. Ok. Ah, vous voyez qu'il y a une base d'un joueur là. Il y a la base d'un joueur là. Je sais pas si vous voyez avec moi. Attends, je vais essayer de zoomer. Désolé, mon clic gauche, mon clic droit, il est un peu fatigué. Voilà. Ouais, faut que je change la souris. Je vais changer ma souris par contre. J'en achèterai une plus tard. Enfin bref, on est où? On est à Bull Hollow. Ok. Du coup, on a découvert cette ville. Je sais pas si je reviens ou si je continue par là-bas. Pour voir où est-ce que ça ramène. S'il y a une autre ville ou. Je sais pas. On va essayer de voir dans l'accampement ce qu'il y a. Il y a un petit freeze, désolé. Ok, y a rien. Tomate pourrite, ok. Là, on a trouvé une pioche. On va pas la prendre.
Un bonnet, ok. Là, vous voyez la maison d'un joueur. Oh, je vais vous montrer comment c'est. Voilà comment elle a construit. Après l'entrée, je sais pas où elle est. Elle doit être là. Ok, on peut pas accéder. Ouais, l'entrée doit être par là. Enfin bref, on va partir de là. On va aller voir ailleurs. Par contre, la visibilité commence à être... pas très très bonne. C'est où qu'on est déjà? Bull Hollow. Ok. Enfin bref, c'était une courte vidéo pour voir où est-ce que la suite de la découverte de la map. On n'a pas tout découvert par contre. Et puis n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je vous en fasse une petite série ou si vous voulez qu'on continue la découverte. Ça sera avec plaisir. Ah ouais, même à l'intérieur il fait. Même à l'intérieur il y a du. Il y a des tempêtes, ok. On va trouver de l'alcool, ça ne sert à rien. Ok. On est dans un hôpital, je pense. Ouais. Ok, y a rien. Faudrait que je mange quelque chose. Ça, je sais pas, c'est quoi ça. Enfin, on a que ça, donc on va le manger. Par contre, je suis à 30% endormi. Je suis à 5% de radiation. Et ma vie commence à baisser encore et encore. Oh, il y a des zombies. Non. Je suis à 88%. On va partir de là et on va terminer la vidéo sur ça. 86. 84, ouais, il faut que je mette un bandage. Je vais essayer de les semer, après je mettrai un bandage. Ah, c'est bon, c'est redevenu normal. Par contre, la nuit est tombée, j'espère que vous voyez bien. Je suis à 80%. Désolé pour les prises. Ma vue se détériore, c'est pour ça qu'on voit pas très bien. Mais il faudrait que je l'esquive à lui. Qu'il me lâche. Comme ça, je puisse mettre un bandage. Il y en a un qui m'a lâché déjà, ok. Ok, il m'a lâché. J'ai pas de bandage. On va faire ça.
Ah si, j'en ai 7. Ok. Il y a une icône en haut à droite. Je sais pas si c'est le, je sais pas ce que ça veut dire la tête de mort là. Je sais pas si vous devrez la voir. Je sais pas ce que ça veut dire. Vous me direz dans les commentaires si vous connaissez un peu le jeu. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Enfin bref. Ah, il y a un panneau là. Il y a plusieurs villes en fait. Elderstone et Serpent Gate, Rubin Head, c'est à droite. Yellowroost, Shadow Reach, Thunder Rally. Ok. Mais pour la suite, on ira à Thunder Rally ou quelque chose comme ça. On va se mettre à l'abri. Attendez, une voiture de police. Non, y a rien. On va se mettre à l'abri pour se déco. Ah non, mince. Ma vie commence à remonter. J'étais à 80, là je vois 81. Ok. Enfin bref, on va se laisser ici. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse une suite. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé aussi du DLC ou du jeu, si vous le connaissez pas. Et puis j'essaierai de vous faire un unboxing des produits que je recevrai bientôt. Normalement, il faut juste que j'ai les commandes et j'attends un peu aussi pour avoir l'argent, etc. Mais bon, enfin bref. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse une petite vidéo de la suite. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Déjà, bye. Peace.